Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau vlog. On est dimanche matin, dimanche 4 août et on est à Digne-les-Bains. Alors, on se pèle les couilles. Ça c'est... Mais vu que je regardais par la fenêtre et les gens ils étaient en short, en t-shirt et tout, je me suis dit bah vas-y, putain vas-y c'est parti, putain mais il fait 23 degrés le matin. Ça caille. Voilà. Bon, on est à Digne-les-Bains. Parce que tu vois, avec les montagnes et tout derrière, et tout. C'est très joli. Alors, c'est la fête de la lavande. Alors, c'est pas juste pour moi. Alors, attends, mon pote, il habite là après. Enfin, mon ami, il habite là. Donc, je vais boire un café parce que j'ai rendez-vous à 10h, il est que 9h. Je me suis dit, je vais aller me balader un peu dans Digne, là. Un peu en mode caméra, regarder un peu. C'est la fête de la lavande. Alors, s'il y en a qui me suivent sur Instagram, sinon, le pseudo, c'est Greg le Geek. G-R-O-G. L-E-G-E-K, comme un Greg le Geek. C'est la fête de la lavande. Alors, il y avait défilé au BAD ce matin. Je me suis dit, de la lingerie, tout, non. Je suis rentré au BAD, c'est-à-dire qu'ils chantent en dessous des balcons. Ça commence à 10h. Donc, pareil, ça, on va louper. On va plutôt s'occuper d'autre chose. Mais j'ai quand même allé boire un petit café. J'ai quand même allé au centre et tout, des fois, que ça soit un peu joli. C'est vrai que Digne-les-Bains, c'est bien. Je suis là pendant 10 jours, donc j'ai l'occasion de vous filmer l'église et le clocher et tout quoi. Mais voilà, on va aller boire un petit café. Et puis voilà. Putain, il fait froid. La vache. Ouh, ça revigore et tout, ça fait du bien. Par rapport à Pattaya, c'est pas mal. Voilà, bon bah bonne petite nuit. Pour ce que je vous raconte un peu ma vie parce que on a un peu le temps. Non mais vas-y, c'est une Skoda. C'est pas non plus. N'est pas à Monaco. C'est pas... Je suis pas là pour fumer les voitures. Alors ouais, il y a pas mal apparemment de chapelles et tout en haut, donc on verra ça plus tard. Mais voilà, bien dormi, ça va, il faisait pas trop chaud, pas trop froid. C'était agréable et tout. Bon petit hôtel, petit déjeuner, et maintenant on va se balader et tout. Mais merde, comme c'est beau. Ça c'est joli, hein. Ah, ça fait plaisir. Un petit peu le mer nature. Là bon, on va essayer de trouver un café. Et puis on va essayer de trouver un café. Je vais essayer d'allumer Google Maps, ouais, surtout, parce que j'ai l'impression que je suis perdu. C'est pas du matin. Hein. C'est tout fermé. Je trouve trouver un café. Même pas un bar, ouais. Un bar à piccolo, ça fera l'affaire. Regarde, il y a la fête derrière. La Vogue. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est la Vogue. La fête foraine, les manèges et tout. Il y a l'air d'avoir un café là, ça va être bon. On va y arriver, regarde. Je le sens bien. Pas trop. Tu repasseras par l'église quand même pour. Quand même. J'ai pas compris. Oui, certainement. Hein. Allez, écoutez, vous le voulez? C'est ça. Bon, ça écoute ça. Bon, bah, petit café. Je vais prendre un peu. Café qui va bien le matin, le matin de 9h. Pelle les couilles quand même. Hein. Petit café, petit pain chocolat. Joli. Enfin, je sais pas comment ça vaut. 1€ apparemment, payer le café à côté et tout. Ça va être à peu près les prix. Voilà, un petit verre d'eau et tout. Puis après, bah, je vais pas être en avance parce que j'ai rendez-vous à 10h. Je sais pas si on aura le temps d'aller à 14h à côté, mais sinon on passera vite fait un coup de vent. Bon, il faut qu'on parle. Je sais pas. Pendant dans le restaurant, je sais pas. Il était dégueulasse son pain au chocolat. Il est tout sec, c'est tout. Alors je sais qu'ils sont pas pourris les pains au chocolat. C'est pas les pains au chocolat de la veille, on est d'accord, ils peuvent pas. Mais il était tout sec, tout malheureux, tout. Ben, il s'est frité et tout. Une grosse déception, tu vois. Donc, ah bah tu vois, je pourrais sortir par là. C'est le mec qui essaie de passer. Et le grand respect. Bon, allez, du coup, je suis un peu en avance, je suis assez déçu. Le café était bien, mais le pain au chocolat était vraiment dégueulasse. Ah, c'est vrai. Mais bon, 2,20€. C'est pas excessivement cher. Je sais pas, 1€ le café. 1€ le pain au chocolat, quand même. 6 balles. Ouais, c'est bien. Bon, allez, on va essayer de trouver un peu quelque chose à vous faire voir. Alors voilà. Bon, là, on aura plus. Il y a du monde dans les rues, tout. En fait, quand c'est en Asie, tu parles en français et personne ne te comprend. Mais là, en France, quand tu parles français, tout le monde te comprend. Les gens te regardent un peu en mode dingo. Alors, oui. Regarde. De la vue là. Stylé. Non, c'est stylé, regarde, je te fais voir un peu. Stylé, petit truc comme ça et tout. J'aime bien, tu sais, c'est charmant. Regarde la médiathèque. Comment ça, tu t'en bats les couilles? Si on fait ce qu'on peut, hein. Je suis un peu en avance. Qu'est-ce qui est marqué là?
Toi, Alexandre, Pierre, Alex, Jean, Jean-Gélo, putain, Céline Sauvage, ah ben ça, ah, c'est Cécile, c'est le mec a un culte, ah Victor Hugo, j'en ai un sur 1, 2, j'en ai un sur 6, c'est pas mal, c'est ma moyenne à l'école, génial. Donc on va pas passer par là. Oui, bon petit bonne fromagerie. Ça commence à sent bon, ils l'ont dit jusqu'ici. Et joli comme ça, en mode petite rue, toi, le syndic est là, si on te demande. La cordonnerie. Torréfacteur. Peut-être moyen de boire un bon café, les délices. Ok, la pharmacie. Est-ce qu'il y en a qui vont dire, mais est-ce qu'il sait où il va? Pas. Presque. En fait, on est venu, je crois, il y a un an ou deux, mais j'ai regardé sur Google Maps un peu avant, je sais que l'église allait là-bas en haut et que ça permettra de marcher un peu. Mais c'est joli, petite rue comme ça. Alors certains vont me dire, oui, quand t'habites en France, ça paraît totalement normal, mais... les vidéos s'adressent aussi à pas mal de gens qui sont jamais venus à Digne, déjà, eux. Et puis, je sais qu'on a de plus en plus de Thaïlande à regarder les vidéos, même s'ils comprennent rien. C'est joli. Enfin, vous êtes chez moi. Discrètement. C'était de la cheminée en Thaïlande. Comment ça, votre cheminée en Thaïlande? Bah, c'est ça. C'est ça la blague, hein. Ça grimpe. Alors du coup ça m'arrange pas trop parce que t'as la place du village. Moi je redescendrai par là-bas tout à l'heure. Ouais. Ça m'arrange pas trop puisque l'avantage et l'inconvénient de cette GoPro c'est que il y a un écran à l'avant mais tu peux pas basculer de l'avant à l'arrière. T'es vraiment obligé de arrêter la caméra, changer d'écran. Je pense qu'il serait bien qu'ils mettent un logiciel pour pouvoir basculer parce que toi quand je suis comme ça puis du coup je me mets derrière, hop, ici. Bah on voit pas ce qui se passe. Regarde, elle est là-bas, rien. Je la ferai rien. On va y aller vite fait. Maintenant qu'on est là. Quelle heure il est? Et 20, je suis bien. Ça, il y a personne. Putain, ça crame, ça, mais... J'en ai marre avec les escaliers. Alors, ce qu'on fait, on va passer par là-bas. Et on redescendra par là-bas. Allez, viens. Viens, gamin. C'est une bagnole. Putain, ils m'ont fait peur. Tu les vois ou pas? Génial, regarde, il y a une voiture dedans. Il n'y a que la moitié, il n'y a que l'avant. On dirait bien. Hein. Ah bah non, il n'y a rien. Il n'y a que l'avant de la bagnole. C'est rigolo, ça. Ouais, c'est une Alfa Romeo. Écoute, j'ai Victor Hugo, c'est bon quoi. Pas non plus, on peut pas faire semblant de ça partout. Hein. C'est joli. Alors là, il y a des escaliers. Est-ce que... Bon, allez, je vais pas... Chier, toujours pareil. Je vais te faire 50. Non mais regarde, je laisse admirer le beau gosse. Non mais non, t'as compris ce que je voulais dire. C'est juste parce que j'ai l'écran à l'avant, il a fait chier, là. Je vais arrêter la caméra, ça va marcher. Regarde, bon ce qu'on va faire, attends. On va aller là-bas, voir ce qui se passe. Allez, nous voilà. Allez, DJI en mode stabilisation, on va voir si... Regarde ça comme ça pète. Stylé, hein. Ah mais je fais toujours mon petit effet avec une petite caméra. Oh, il en a bien fait de venir, hein, je te le dis, moi. Regarde ça un peu, comment ça déboîte. Alors, je sais pas où est l'entrée. Oh. Chez nous, on appelle ça
une belle bâtisse. Regarde ça. Avec... elle est jolie, hein. Elle est jolie. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est plus joli là-bas, rien. C'est... Évidemment, s'il y en a qui se demandent, non mais, par où t'es arrivé? C'est mon truc. Moi, j'aime bien... Je suis un mec discret, moi j'aime bien passer par les petites portes. Mesdames. Alors, on va couper ça. Je rentre jamais par... À chaque fois qu'il y a un temple, un machin, j'arrive toujours par l'endroit où il faut pas. Non mais regarde, attends. Je veux dire, là, pas moyen que je te fasse un plan de fou, là. Attends, puis il y a un Instagram. Attends, comme ça, fais voir. J'ai essayé de pas tomber. Joli, regarde. Là, c'est pas mal. Là, si on trouve une ligne de fuite. Ici, non. Là, non. Non, ouais. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, regarde, là, regarde. Tac, on va y aller doucement, regarde, DJI. Joli. Joli, joli. Pas mal. Je fais une petite photo sur Instagram. C'est Greg le Geek. Hein, si on te demande, et puis on se retrouve. Tenter. On va quand même tenter, l'entrée. Ouais, je crois qu'on va tenter rien du tout, ouais. On va tenter de regarder la porte, ouais. Voilà, bah, c'est une jolie porte. Ça a bien fermé, hein. Putain. La dernière là, en loose day. Ça c'est le problème des églises quoi maintenant, c'est que les gens respectent plus rien. Ils rentrent avec des caméras et tout, donc ils sont obligés de fermer. Mais non. Je t'embête un peu. Et là il y a quoi? Non, il y a pas une entrée secrète là sur le côté. Non. Bah non alors. Allez, c'est joli hein, avec le petit escalier et tout. Oh, c'est cool. Putain, regarde la vue. Oh la vache. On va refaire un selfie là parce que du coup, regarde. Regarde un peu. On profite un peu, regarde. Avec l'église là. Stylé. Il y a moyen de faire. Faudrait que je mette un angle encore. Si vous pouvez faire un angle de caméra encore plus large. Parce que là, ça rentre pas tout. Hein. On peut pas tout mettre. Alors, je vais te faire un petit balayage. Alors, je te fais un balayage du poteau. Hein, parce que ça peut pas tout rentrer. Il y a trop de choses à voir. Et hop là, ici. Voilà. Et la belle bâtisse. Pas mal. Enfin, c'est beau. Là, je dis pas que on va aller chasser la chapelle dans les montagnes. Il y a des trucs dans, mais perdu là-haut. J'ai vu des photos. On va faire des trucs de dingue. Bon, allez, faire un selfie. Puis on retrouve tout à l'heure. Il y a même un moment, là, avec son chien. Là. Déjà, son chien, sur la route, il m'a mis des merdes, mais... C'était des muffins. Ensuite, elle me suivait. Elle avait envie d'être sur la vidéo. J'y connais, les mamans. Je sais pas ce que j'y passe avec les mamans en ce moment, mais... Oh, regarde là. Regarde, maman. Attends. Il y a des conneries, là. Regarde. Je vais essayer une capture d'écran. Pour... C'est cadeau. C'est de la Full HD 1060 FPS. C'est n'importe quoi. C'est de la Full HD 1080p 60 fps. Je t'ai mixé tout. Greg le Geek, spécialiste. C'est pas mal. Ça mériterait un angle. J'arrive pas à tout rentrer dans la caméra. Ça m'énerve. Je voulais tout mettre dedans et en fait on n'arrive pas. Je sais pas si je voulais. En fait, je voulais pas du tout descendre par là. Stylé, hein, c'est stylé. Je voulais reprendre la place de l'église. Attends. Hop. J'ai plus de marche. On va passer par là-bas et on va descendre, reprendre la route. Oh, putain, je suis une vraie gazelle, je te raconte. Je m'y arrive à perdre du poids un jour. Petite rue charmante. Ça va? C'est stylé, mais il n'y a rien. Je le sais. Je m'en doute. En fait, tout à l'heure, quand je passais par là, j'ai dit je reviendrai par là, et j'ai oublié où c'était. Bon, c'est un cul-de-sac. Mais c'est mon truc, elles sont souvent en travaux. Et alors, trouver des humites, c'est pas gagné, hein, à Digne-les-Bains, l'impression qu'ils sont... Eh, vas-y, profite. Ça va? Ah bah oui, c'est vrai que le clocher, il te dit, c'est 9h30.
T'as vu, je prends l'accent des local, hein, t'as vu? 9h30. Ouais, je sais. Je sais. Ouais, je vais. Ça, c'est mes talents d'acteur, ça. Y a pas de... Alors, attends, là, c'est les merdes de chiens en bas, fais voir. C'est ça. Les blinis. Putain, ils vont tous là, hein, c'est... Et en fait, je sais pas, je suis... Ceci est un chat noir. Alors, c'est pas du tout... Bon, moi, je vais redescendre par là-bas. C'est parti, bon, je t'abrège. Parce que la maman, elle me suit, là. Elle va me prendre en filature avec son gros chien. J'arrête là. Je vous abrège le parcours, on se retrouve. Bonjour. Bon, allez, on sait pas où on va, mais on y va. De toute façon, au pire, on descend. Oui, bon. La malice. Et là, on descend. Là, par contre, c'est tout bien abandonné. Hein. Je sais pas si c'est l'effet mois d'août ou l'effet... Parce que bon, on peut pas dire qu'on abandonne les campagnes, là, c'est pas... C'est joli. C'est joli. Bon, alors là, tout le monde aurait pu arriver par là, mais... C'est pas mon truc, moi, les... Alors, regarde, un peu de culture. Ancienne fontaine. Place du marché. Où ça? Là-haut? Je remonte pas, hein. Tu fais pause et tu lis. Moi, je remonte pas là-haut. Hein. C'est bon. Descendre, ça va. Et monter, bonjour les dégâts. Allez, on va... Petite ruelle et on va essayer de trouver les trucs. Rare, comment on est bien. On arrive juste avant la fête. En fait, la fête commence à 10h. C'est là, ils sont là. C'est là au bad. Ah bah ouais, ça cache le mythe. Regardez, hein. Ils sont tous habillés en robe. Ah ouais, on est vraiment chez au bad. Regarde, ils sont tous là. En train de préparer, ils vont commencer à crier et à chanter des chansons. Trop bien. Tu vois, on les aurait vus. On les aurait vus avant. Bonjour. Bonjour. Et on appelle comment les gens? Jolie robe. Super du. Oh putain, c'est joli, hein. C'est une bonne crêperie là. Ça va être cool. Ici, on pourra revenir là. Joli. Donc là, on est sur la place du village. Voilà. Alors les robes, non. Non, non, mais le. On a comme à Pattaya, tu vois. Comme quoi, les Lady Boy, hein, c'est pas juste. C'est pas une spécialité, on y est droit aussi. Donc là, c'est la place du village. Voilà. Attends, jusque là-bas, un petit peu. On va. Alors tiens, mais pendant que on en a cette deuxième vidéo, que... Alors je vais peut-être mettre un peu plus tôt, je vais mettre les vidéos à partir du 15, mais je me rends compte que je suis extrêmement productif et que je vais être obligé de les mettre à partir du 10, parce que genre une par jour, je vais les tenir tranquille. Ça m'arrange pas. Hein. Vous me direz le son, si la vidéo, le son, voilà. Il y aura peut-être, on est quoi, le 4, ça fait 6, il y aura une semaine d'écart. C'est pas mal. Donc avec une semaine d'écart, vous me direz si le son... Ah, il y a plein de trucs là. Plein de trucs là. Oh là, un gros tambour. Hein. Oh putain, il faut absolument que je me rappelle que tout le monde parle français ici. Hein. Tu vois, avant, t'étais des gens, tu dis ouais, il y a ça et tout. Mais là, c'est faux. Alors... Est-ce que... Bah tiens, je vais aller au bout là-bas, je te ferai le petit marché local. Allez, donc voilà, on commence. Allez, on commence le début parce que bah, ça fait l'occasion en même temps qu'ils sont en train de s'installer, de voir un peu des artisans, puis de voir des choses un peu disparates. Bonjour. Bonjour. C'est cool. Vous le faites vous-même? Oui, oui. D'accord. C'est de l'argile, comme le traditionnel. Ok. Et après, vous les peignez à la... Elle les peint et elle les habille. D'accord. Voilà. Ok. Il y a du boulot. Je veux bien vous croire. Ah, c'est joli. Merci. Ok, bah nickel. Allez, on va faire le suivant. Oui, c'est ce qu'on m'avait demandé. Le chat pour Alain. Voilà. Donc là, là-bas... combat de chiens. Alors là, bon, c'est des chats. Ça doit être le même... Oh, ça va en entrer. Ça doit être le même délire, un peu... que... Alors, les petits bouddhas. Classe.
Ouais, avec les trois, vois rien, t'entends rien, dis rien. Sympa. Ok, petit calendrier. Ah, la lavande. On arrive juste à la bonne heure, parce qu'ils sont en train de s'installer et tout. Alors c'est bien, c'est que c'est que des marchés locaux et tout, donc ça sent pas une bonne... Sympa. Ah, c'est parfum. D'accord. Voilà, diffuseur de parfum. Ma copine voulait faire pareil, elle voulait m'accrocher les... Mais on l'a pas fait. Ah ouais. Là, vous pouvez en mettre un de chaque côté. En boucle d'oreille. Sympa. Il y a quoi dedans, du parfum, simplement? Ou c'est à nous d'en mettre après? Là, c'est à mettre après, là, il se vide. Hein. D'accord. Voilà. Vous mettez de l'huile essentielle, de la lavande. D'accord, et on les accroche à la maison Voilà, maison ou dans la voiture. Ou en boucle d'oreille. Voilà, on met ça dans l'oreille. Ou le sapin de Noël, comme vous voulez. En porte-clés. Voilà. Ah, sympa. Ouais. Sympa, sympa. Cool. Ok, ah d'accord, ok. Ok, super, merci. De rien, bonne journée. Allez, on continue. On va faire tous les stands. Oui, c'est quelque chose qu'on m'a demandé dans les autres vidéos. C'est d'être beaucoup plus communicant avec les... Oh, bonjour. Oh, pas de photo. Ah, c'est une vidéo. Ok, bon, bah, pas de photo, pas de vidéo. Voilà, bon, après, pas à tout, hein. Alors, gîte d'étape, séjour. Poncho. 100% fait à la maison. Non, terre cuite un peu comme ça. Sympa aussi. Ok, dans la piscine. Bonjour. Pas... Allez, on continue. Hop. Petit chapeau. Petit chapeau. Sympa. C'est bien ça, je vais en ramener un pour mon gamin. Ici c'est le meilleur. La lavande et tout, sympa. Ah ouais, putain, ça sent bon. Ça sent bon la lavande. Avec les huiles et tout, classe. Ok. Ah, il faut que je surveille qu'il n'y ait pas de truc interdit de... qu'il n'y ait pas de truc interdit de filmer. Au... Faut que je reste de loin, tu vois. Je me prépare. Oui, c'est les soirs. Atelier des marmottes. Ok. Sympa aussi en bois comme ça. Ok. Je regarde de loin. Pas de photo. Non. Ok, c'est bon. Le lavanda. Ok. Bougie. Classe. Stylé. Bonjour. Ok. Cool. On continue. Je regarde. Pas de interdit de photo. Ok. Photo vidéo. C'est des vidéos, des portraits. Bon, alors on continue comme ça. Mais c'est vrai que je suis le premier assez étonné. Les gens étaient assez étonnés aussi du côté pas de photos, pas de vidéos. Enfin, c'est pas franc-froid. On est vraiment juste en mode un peu comme ça. Oh, il y a des jolis savons là. Des savons de lavande. Oh, stylé. Hein. Génial. Avec le. Super. Il y a trois. Ah, c'est des chutes de morceaux. D'accord. Bonjour. Ouais. Vous voulez passer? Non. Pardon? Pour YouTube. Ouais. D'accord. Rien. Je balade. Je fais mon petit pèlerinage à Digne et on regarde un peu ce qui se fait. Au moins que vous la filmez là. Bah, non, oui, j'ai obligé. Hein. Bah, en fait, ce que je fais, moi, c'est du savon saponifié à froid. D'accord. C'est-à-dire que je transforme moi-même les huiles végétales d'accord. en fait à savon. Okay. C'est vraiment une méthode écologique complètement différente. D'accord.
du savon industriel. Voilà, c'est okay. Ce qui se fait habituellement. On n'en est pas beaucoup encore à le faire. D'où la forme ou... C'est la forme et surtout la qualité en fait du savon. Parce que c'est dans le procédé de saponification à froid, la glycérine qui se forme, elle est conservée dans le savon. D'accord. Ce qui est intéressant parce qu'elle est hydratante. D'accord. Et en plus, à la fin, dans le procédé, je viens enrichir la pâte à savon avec de l'huile. D'accord. Donc, ce qui rend le savon surgras. C'est nourrissant, hydratant. Comme la pâte à savon est liquide, ouais. Ça me permet moi, de jouer sur la texture. Je vais faire des petites décorations. C'est dingue. On appelle des marbrages. C'est dingue. Voilà, donc après, tous les pigments, c'est minéraux. Les parfums, c'est des huiles essentielles. D'accord. Des huiles biologiques. Et je vois que vous avez un site internet en plus. D'accord. Mais effectivement en cours, et sinon j'ai une page Facebook. D'accord. Naïlis, ok. C'est-à-dire que les gens pourront commander un peu sur internet. Classe. En fait, tout est fait main chez nous, donc même le site internet, c'est mon mari qui va s'en occuper. Qui fait à la main. Qui fait à la main, mais voilà, tout est... Ça doit pas être facile, hein. Heureusement, il y a la souris, l'ordinateur, qui Il y a un petit pack hein, où il y a un peu de tout, non? Alors j'ai un petit coffret, voilà, ouais. Où il y a un savon, un petit pochon de sel de bain. D'accord. Alors le sel de bain en plus il est riche en sel d'Epsom, je ne sais pas si vous connaissez. C'est du sel qui est très utilisé par les sportifs. Okay. C'est un sel qui est riche en magnésium. D'accord. Et après un beurre de karité à la lavande. Fini. Je vais en prendre un. Hein, ça j'aurais bien. Je vais me savonner. Alors, ah, il y a peut-être plus, c'est peut-être plus ça alors ça, du coup. Ça, c'est les savons, ouais, c'est un coffret découverte des savons. Je vais plus prendre ça parce que là les. En plus, c'est moins cher. Non mais. Et en plus, dedans, regardez, vous avez le ce que je vous ai expliqué. D'accord. Vous voyez la méthode, vraiment que j'ai expliqué tout comme ça, voilà. Ok, génial. Je vais prendre ça. Allez, on continue. Tu vois, j'ai acheté mes savons. Je vais être belle et zen. Allez, un petit peu de... Je vais finir par être à la bourre. Bonjour. Bienvenue à la ferme et tout. Non, mais je peux pas acheter à tous les stands, hein, sinon on va pas y arriver. Oh, petit fromage. Bonjour. Ah, c'est des glaces. Au lait de chèvre. D'accord. Qui n'est pas très commun. Vous avez donc tous les produits qui viennent donc de la région. Elle a enquillé direct. Elle a l'œil. Elle sait. Oui, donc, oui avec une caméra. Donc voilà, on essaie surtout de travailler avec les produits donc dits de la région et donc naturels, sans artifices, sans colorants. D'accord. Là, voilà, vous avez donc au niveau des fromages plusieurs panels. C'est ce que tu es en train de me dire. Je me dis, c'est pas des glaces. Non. Mais là, non. J'ai l'œil, hein. C'est on sent. Ouais, je suis en train de me dire, attends, les glaces. C'est ça fouette, hein. Alors justement, c'est la particularité, c'est que c'est pas très fort en fait. Il y a une odeur qui est particulière. Les glaces. Voilà, les glaces, oui, mais même au niveau des fromages, en fait, il y a une odeur qui est particulière à la chèvre, mais ce n'est pas du tout fort. Pourquoi vous avez mis une vache? C'est une chèvre. Voilà. C'est une petite chèvre, les vaches, c'est pas comme ça. C'est le logo de ma ferme, en fait. Je couperai tout au montage. Je perds toute ma... Voilà, c'est le logo de la chèvre en fait. D'accord, c'est le logo. Qui a été fait au tricot. Voilà. D'accord, le logo ou la chèvre? Les deux. Ok, d'accord. Vous avez un site web derrière, non? Oui, sur Facebook, la ferme du Terrasson. C'est pas marqué sur la carte? Non. Merde. Dommage. Bon, on se rappellera. Ça a été fait après. Ok, c'est cool. J'attends les éculés. D'accord, des glaces. Ok. On dirait des. J'ai oublié. Ouais, c'est ça. C'était le but. Ok. Ah, oh, c'est cool. Ok, je vous remercie. Ok. Bon, allez, au petit. Je suis pas bien. Je suis. Alors, la confiture. Le miel. Terrible. Voilà, ça c'est bon. Ok, continue. Bouquet parfumé. Ok. C'est ouf, hein. C'est ouf. Les bananes mano. Ok. Bon, il y a plein de trucs. C'est dingue.
Mais c'est rigolo parce que autant moi, il y a la dame là, elle voulait absolument se cacher, elle voulait surtout pas être dans la caméra. Et autant, voilà, l'hôtel en qui est direct, c'est, j'ai directement placé mon truc. Super, super, super joli. Oh, les petites fées. Petite licorne. C'est joli, c'est très. C'est très fantaisie. Ça va plaire à beaucoup ça. Hein. Il n'y a pas un truc interdit de filmer, non? Oh, regarde ça comme c'est stylé. Bonjour. Bonjour. Génial. Allez, licorne. Après, une fois que vous l'avez pris en photo, vous la regardez. Qui? La licorne? Non, votre photo. Ouais. La licorne, elle a changé, même l'effet. Elle change de sur les photos. C'est vrai? Ouais. Non, c'est une blague ou c'est juste non pour... Elle change quoi? De forme, de position, il y a des trucs qui se passent. D'accord. Okay. Là, le premier, là, alors, je les reprends. Ouais, je les reprends, ouais. Ouais. Je les reprends. Donc, c'est ce qu'il vous reste à faire, les gars. Voilà. Oh, avec le lutin dessus et tout. Génial. Ah, génial. Et après, vous prenez la photo, vous le regardez, comme vous allez voir. D'accord. On fera pause. On fera pause sur la vidéo. On essaiera de voir. Ouais. Ah, génial. Mais en plus, c'est sur les photos. Elles sont belles. Quand je les prends en photo, après, ça change. C'est vous qui les faites? Non. Non. Et non, c'est en Irlande. Malheureusement. Ça vient de là-bas, ouais. D'accord. En Angleterre. Ok. Ouais, ouais. Et oui, il n'y a que là-bas qu'on les trouve. En Chine? Les licornes? Eh ben, il n'y a pas marqué chez moi. Ouais, c'est vrai. Chez moi, il y a fait. Après, on m'a dit de ça à Marseille, il n'y en a pas. D'accord. Dans tous les grossistes chinois, il n'y en a pas. D'accord. Donc, Les têtes de mort pour aller pour trancher un peu. Je suis dans plusieurs mondes, non? C'était ça, c'était ça le terme. C'était oui. je suis dans plusieurs modes, oui, c'est ça. C'était ça c'était le terme un peu. On va dire j'étais dans plusieurs délires, mais non, je suis dans plusieurs modes. Monde. Plusieurs mondes, ouais, c'est oui, ça. Après, ok. Après je suis parti donc là. Et après c'était en. Avec un sang. D'accord. Super, merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Ok. Allez, on va finir. On avait tout fini. Ça, c'est bon. Puis voilà, bon, je pense qu'on a fait ce qu'il y avait de plus intéressant. Et je pense qu'on reviendra peut-être cet après-midi quand il y aura la fête de la lavande. Voilà. Là, on est plutôt sur le musée de la lavande. Ah, mais j'ai vu, il y a ça. On peut visiter ça. J'ai vu. On peut visiter le musée de la lavande. Voilà, bon. Alors voilà. Bon, bah c'est pas mal. Hein. On a bien, tu vois, avec un peu de sourire, un peu de convivialité, c'est bien passé. Hein. C'est pas fait manger. Bon, allez, je veux que je retrouve où je vais parce que j'en ai aucune idée. Je vais voir un petit peu l'attraction de l'après-midi. Alors, on a loupé les danseurs au début, mais maintenant, tu m'en voudras pas. Voilà. Ça fait un peu cow-boy hein, quand même. Hein. Alors en fait, moi je voulais surtout aller distillerie de la lavande là-haut. Ça m'intéresse un peu plus. Oui, mais lunettes de soleil. Il n'y a pas tant de soleil que ça. Il y a un monde de dingue. Ça, elle me l'avait dit à l'hôtel, c'est vraiment le week-end où il y a le plus de monde dans tout l'île-les-Bains. Et bah, ça ne trompe pas. Hein. Il y a un monde de fou. Bon, là-bas. Puis on va aller jusqu'en haut et puis on va essayer de faire voir la lavande. Allez, encore un petit bout. Musique libre de droit.
paroi. Ça, tu vas te rendre compte au fil de la caméra, mais la GoPro en fait, bah non, la DJI, elle enregistre bien les sons qui sont proches, mais elle a vraiment du mal avec les sons qui sont loin. Donc je sais pas si ça va rendre aussi bien. Allez, on continue. Bon, allez, trop sympa. Je vais voir les chars. En fait, c'est parti pour, rentrer. Je voulais rentrer en fait directement aller à la bagnole et tout, parce que. Et en fait, je suis passé, il y avait quand même les chars qui vont après arriver. Voilà, bon, c'est les chars, hein, après, tirés par les tracteurs. Voilà quoi. Hey, Viking! Scroll! Voilà, donc il y a pas mal de jolis. C'est joli! C'est gentil, hein. Voilà, on va plus. Pas mal celui-là. Ah oui, ça me bat les couilles. C'est très. C'est très franco. C'est pas mal celui-là sur le Western. Alors en fait, après, ils vont. Comme j'ai compris, il y en a où ils jettent du parfum, des choses comme ça. Les Dalton. Ok. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'après, ils allaient. Ça va être la parade. Bon, moi, quelque part. Je vais pas dire que t'auras tout vu comme ça, mais t'auras vu l'essentiel des chars. J'ai pas trop envie de rester, de faire les trucs des chars et tout. C'est pas trop mon délire, tu vois. Je vais plutôt essayer de retrouver la voiture, de rentrer à la maison. Faut que je programme le live pour ce dimanche parce que j'ai merdé. Alors, je vous raconte pourquoi j'ai merdé pour le live, puisque ça t'intéresse. J'avais programmé 17h à la base en heure France. Et quand j'ai modifié via le PC, ça a mis 17h heure Bangkok. Donc ça vous a mis pour vous à midi. Et vous étiez là à midi en train d'attendre le live et il n'y avait pas de live. C'est con hein, ce qui t'arrive. Mais pour se mettre comme ça, tu m'as assez vu. Donc voilà, je vais le remettre maintenant à 17h hors Thaïlande. Et puis voilà. On fera le live ce soir, entre 1h et 2h. Et après, comme c'est dimanche, j'irai acheter un bouffer quelque part. Mais voilà, voilà un peu pour l'essentiel. Je sais pas si on va se retrouver ce soir. Pour vous dire au revoir, je sais pas si ça dépend de ce qu'on va bouffer ce soir. Si on bouffe bien un truc au truc, c'est bien, ou si on mange un machin au machin, moi je verrai. On va voir tout à l'heure. Allez, paix, prospérité, amour, partage. T'es en train de me dire, mais oui, j'attendais qu'elle fasse le son. En fait, j'ai enlevé le son de la caméra parce que putain, elle faisait chaque fois que t'appuies sur un bouton, et les gens ils ont tendance à se retourner, un truc de dingue. Et là, du coup, j'appuie sur le bouton, j'attendais le son. Putain, mais c'est dingue. Il est fou, cet homme-là. J'ai le trépied. Alors, ça tient avec l'esprit de Bouddha, hein, l'histoire. Je sais pas combien de temps ça va tenir. On va voir. On va pas accélérer trop fort, hein, parce que là. Donc, je l'ai mis sur le tableau de bord. C'est pas mal aussi. Si ça peut tenir un peu comme ça. Alors, je sais pas si ça va donner au niveau du son. Je sais pas ce que, tu vois. On va essayer d'aller au McDo. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas très original. Mais pour deux raisons. Un, parce que. J'ai bien envie de me faire un McDo, tu vois, en même temps. Et deux, voir s'il y a du Wi-Fi. Parce qu'on a fait, on vient de faire un live, là, à l'instant. C'est dimanche 4. On a fait un live et la connexion de l'hôtel, elle est un peu en ADSL. C'est 10 mégas en download, mais 1 méga en upload. Et 1 méga en upload, ça tient pas, quoi. C'est la misère. Donc, on m'a dit, essaye au McDo, voir. Alors, c'est payant. On va voir si on peut se connecter peut-être gratuitement, au moins essayer. Bon, un peu sur le débit. Sinon, il y a un super truc à Digne-les-Bains. Sinon, il y a Jean, on se voit tous les matins, si je lui demande s'il a le Wi-Fi, si on peut essayer, parce que j'ai pas pris le câble. J'ai un MacBook Pro et j'ai pas pris l'adaptateur. Je peux pas le mettre en Ethernet. Donc, sinon, je demanderai s'il a le Wi-Fi, ça fonctionne, si je peux faire un speed test aussi, s'il y a plus qu'un méga. Sinon, celle de mercredi, je la ferai en 4G. 4G fonctionne plutôt bien et je suis 10 mégas en upload, je crois. J'ai fait un test 40 mégas en download et 10 mégas en upload. J'ai en 4G, mieux que la DSL de l'hôtel. Donc dans ce cas, je le ferai 4G. Ce sera un peu pour le test et tout. Alors je sais pas, on teste des choses hein, en ce moment là. On teste des choses avec la configuration. Je vais pas trop mettre la caméra là. Enfin, un peu le mec qui parle tout seul en même temps. C'est pas comme si j'avais pas d'habitude. Rouler doucement. Le trépied a l'air de tenir. Puisque, alors, le trépied, il est pas mal, celui-là.
Et ensuite, il est bloqué un peu contre le pare-brise, donc ça équilibre un peu les forces. C'est pour ceux qui ont fait des machins là, tu sais, à l'école. Force à la con, on n'a rien compris. Enfin, j'ai compris, mais après, c'était trop compliqué. Après, je fais une première génie. Attends, après le BEP, je fais une première génie électrotechnique. Putain, mais là, les forces, c'était n'importe quoi. Ouais. C'était. Rien compris. Bon, allez, on va essayer au McDo, puis ça permettra de voir un peu s'il y a des différences. Enfin, si, bien sûr qu'il y a des différences. Entre le McDo et la Thaïlande et le McDo en France. Même si vous en battez les couilles, parce que vous savez bien ce qu'il y a dans un McDo en. C'est où l'entrée? Ronald Lamb. Non! Il y a un Ronald Lamb. Voilà. Il y a une petite place là, une petite place pour une petite voiture. Trop bien. Vas-y, l'autre derrière, il me colle. Je vais pas mettre mon clignotant, c'est bon. On est en France. Personne ne le met ici. Voilà. Très bien. Hop. Point de la mort. Très bien. Petite vidéo en bagnole. Allez, on va manger au McDo et je vous fais voir ce qu'il y a. Bon, allez pour le plaisir. Petit McDo. Alors, il y a un truc machin avec du cheese pas mal. Et il donne un verre pour 11 euros et quelques. C'est pas très bon marché. 12,90 euros. Mais bon, après, j'ai quand même un verre coca. J'ai fait un test 4G avec le McDo. On est en upload. Alors, à l'hôtel, je pleurais parce qu'on est en 1 méga. On est en 0,27. C'est pire que tout. Et du coup, j'ai testé en 4G avec Orange. On est à 10 mégas et 65. Putain, la 4G Orange, elle déboîte. Hein. Je veux dire, rien. On est 10 fois plus qu'à l'hôtel. Non, bah, le live de mercredi, ça sera avec le téléphone. Tant pis, on va taper un peu du giga, on mettra en 720p, mais c'est trop minable. Et puis là, j'ai profité un peu de mon McDo. Il est pas mal et tout, mais c'est bizarre un peu les McDo maintenant. Enfin, faut commander sur la borne. Tu payes à la caisse, après, elle te livre. Non, t'as un beeper, mais en fait elle te cherche et bon, c'est un peu bizarre, mais enfin bon, après, c'est dommage. Je connaissais plus que moi, nous en Thaïlande, et ben ils nous livrent, bien sûr. Je dis, il faut qu'on parle, hein. Tiens, je suis venu au McDo exprès pour voir un peu la connexion. Quelle connexion de merde! Je sais pas si vous avez vu les photos sur Instagram depuis le temps, mais autant. Je vais essayer de pas m'emplâtrer un cow-boy, là. Faut passer avec ta merde là, putain. Faut pas aller me laisser sortir. C'est pas tous urbains, hein. Putain, mais vous avez jamais vu une Fiat Senza de compétition? Voilà. Oui, bah. Alors, 1 méga d'upload. En fait, c'est l'upload hein, pour les vidéos YouTube. À l'hôtel, 1 méga. Donc, c'est vrai que c'était quand même pas beaucoup pour uploader décembre. Il va où lui? Tocard, putain, mais il faut mieux d'acheter une smart, hein, je te jure. C'est chez nous dire. Bon, ils disent ça parce qu'il est une Fiat 500, mais tu m'en dis jamais. Moi, si je m'en viens, il nous dit. Ouais, 1 méga à l'hôtel, donc c'était pas beaucoup pour le live. On a vu que le son était bien, mais l'image était dégueulasse. Là, McDo, c'est 0,27 hein, en upload. Le problème, je crois que ce soir, il y a beaucoup de monde et tout le monde est sur le wifi et c'est la merde. Comparé avec la 4G Orange, c'est à 10 mégas. Donc, je sais pas, je verrai chez Jean demain s'il a le Wi-Fi, combien on peut faire. Si on peut faire plus que. Comment ça, c'est rouge? Il y a quoi? Il n'y a plus de mémoire? Plus de batterie? Il n'y a plus de. Il n'y a plus de vie? Il n'y a plus d'espoir? Noir, c'est noir? Bon, bah tant pis, je sais pas, je pense que ça a clignoté rouge comme ça. T'as chaud? T'as chaud? T'as froid? T'es fatigué? T'as quoi? Ah, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Ouais, ça doit être ça. Bon, bah voilà, dire au revoir alors. Fais des bisous et tout. Voilà, bon, j'espère que vous aurez aimé cette journée. Une journée un peu différente. Toujours en mode très très vlog, hein, daily vlog. J'adore ce que je prends pour un américain. Toujours en mode daily vlog, en voiture, au McDonald's. Non, mais il y avait des choses sympas aujourd'hui. Donc, j'ai bien aimé les interviews et tout. Je pense que vous aurez aimé aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Interviewer les gens, comme ça, les commerçants et tout, ça me donnera des idées pour la suite. Voilà, on teste des choses. C'est une voiture sans permis. Joli, hein. On dirait un petit Range Rover. Mais petit, hein. Vraiment un petit Range Rover. Voilà, vous me direz ce que vous avez pensé un peu de ce format un peu hybridation. Hein, et puis ça me donnera des idées pour la Thaïlande, vu que ça sera la vidéo du 11. Je sais pas quoi. On peut pas arriver à conduire, à parler, à se concentrer, à faire croire qu'on écoute de la musique, à faire le mec cool, sympa et tout. Pff, trop
trop de stress. Voilà, puis en plus je suis bientôt arrivé. Allez, bonne journée, bye bye.